Et salut à tous et à toutes, c'est Anthony de 56. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une nouvelle vidéo où j'ai créé un Discord pour mes abonnés. Pourquoi j'ai créé un Discord pour mes abonnés? Tout simplement pour me rapprocher plus près d'eux, faire connaissance avec eux. Bon, pas jusqu'à devenir amis, mais faire connaissance avec eux. Voilà. Alors, d'abord, le Discord sera en description. Bon, tu vas cliquer, puis si tu veux, tu y vas. Bien sûr, il y aura des règles. Si d'abord vous lisez les règles et si vous êtes d'accord avec les règles et si vous allez les respecter, vous mettez l'emoji qui apparaît juste là. Voilà. Alors, dans le Discord, il y a quatre rubriques dans deux salons. Alors, premier salon textuel et deuxième salon vocaux. Vocal plutôt, parce que comme le Naka. Alors, dans le salon textuel, il y a le salon discussion. Là, vous pouvez me poser. Vous pouvez vous parler entre abonnés. Voilà. En respectant, en vous respectant. Dans le deuxième, il y a. Je pose des questions. Attendez, je regarde. Je regarde. J'ai juste ma petite feuille. Regardez, j'ai juste ma petite feuille. Voilà, je regarde juste. Alors, le deuxième, c'est poser vos questions à Anthony. Et là, je pourrais répondre dans une vidéo. Voilà. Et ensuite, il y a le serveur Raid. Alors, avant d'entrer dans le serveur, faut lire les règles. Parce que moi, je veux que mes abonnés s'entendent bien et que je m'entende bien avec les abonnés. Dans le salon vocal, il y a juste le serveur vocal. Comme ça, vous demandez si je peux parler avec vous. Et puis, même si, par exemple, on va dire Pierre y rejoint alors que je suis en conversation avec Guillaume ou Alexis, pas de souci. Au contraire, j'ai fait ce Discord pour qu'on puisse faire connaissance. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère qu'il y aura du monde sur Discord. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à partager, à commenter, à t'abonner. Et sur ce, je te laisse. Ah oui, et pardon, petit message. Si lundi et mercredi, il n'y a pas de vidéo, c'est exceptionnel. Parce que si la France gagne, je vais faire une grosse vidéo. Et s'ils perdent, je vais faire aussi une grosse vidéo. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de vidéo lundi et mercredi, ne vous en faites pas. Je vais rattraper mon retard. En tout cas, moi je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Et sur ce, peace les gars!